Bonsoir à tous, vous avez choisi TV Plus Madagascar et vous avez bien fait. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Sans plus tarder, voici nos titres. Pour le cas d'Alassour, dans le district d'Antananarivo-Varadjan, les cartes électorales ont été réceptionnées par le bureau du Fouktandj lundi dernier. Ainsi, leur distribution n'a pas encore commencé selon le président de ce Fouktandj. Un train de la ligne FCE Fianakhatsu Kotes a été victime d'un accident ce jour. Les trois personnes blessées lors de l'accident ont déjà été prises en charge à l'hôpital de Manakar. Dans le cadre de ses activités sociales, l'association de développement AFF Anjifut Chawanifapansun s'est particulièrement intéressée aux blanchisseuses du Fouktandj Tansarmambi dans le deuxième arrondissement de la commune urbaine d'Antananarivo. 125 blanchisseuses Tansarmambi ont bénéficié aujourd'hui de matériel de lessive tels que des cuvettes et des seaux de la part de l'association AFF. En France, le roi Charles III a entamé mercredi 20 septembre une visite d'État de 3 jours dans l'Hexagone, empreinte de solennité pour célébrer la relance de l'amitié franco-britannique après les turbulences du Brexit. Actualité politique pour commencer. Dans la commune d'Alassour, district d'Antananarivo-Varadjan, plus précisément pour le cas du Fouktandj d'Alassour, les cartes électorales ont été réceptionnées par le bureau du Fouktandj lundi dernier. Ainsi, leur distribution n'a pas encore commencé, selon le président de ce Fouktandj. Actuellement, lui et ses collaborateurs sont dans la phase de classement des cartes électorales par secteur et leur distribution commencera seulement après cette étape. Anchala Rassou et Omega Ranevzon étaient sur place pour recueillir les précisions. Alors que la distribution des cartes électorales a déjà débuté la semaine dernière dans certains Fouktandj de la capitale, elle n'a pas encore commencé jusqu'à ce jour dans d'autres. En effet, les Fouktandj des communes environnantes de la capitale n'ont réceptionné les cartes électorales des citoyens que depuis le début de cette semaine. Le Fouktandj d'Alassour, dans la commune d'Alassour, district d'Antananarivo-Varadjan par exemple, n'a reçu les cartes électorales de ses habitants que lundi dernier. Par conséquent, les responsables du Fouktandj sont actuellement en pleine phase de tri des cartes en vue de leur distribution méthodique. Ce Fouktandj, à lui seul, compte plus de 1900 électeurs. Et la distribution à domicile proprement dite commencera après la phase de répartition par secteur. Aucun retard n'est à craindre en ce qui concerne la distribution des cartes électorales, d'après le président du Fouktandj d'Alassour. En effet, ils ont jusqu'au 25 octobre 2023 pour finir le dispatching des cartes électorales auprès des domiciles des électeurs. Les responsables du Fouktandj, avec l'aide des chefs de secteur, procéderont à cette distribution des cartes électorales, même pendant les fins de semaine. En effet, c'est pendant les week-ends que la plupart des électeurs peuvent être trouvés chez eux. En parallèle avec cette initiative des responsables du Fouktandj, les électeurs peuvent également récupérer leurs cartes au bureau du Fouktandj, d'après toujours les informations reçues sur place. Mais après la date butoir du 25 octobre, ceux qui étaient absents de leur domicile lors du passage des distributeurs de cartes doivent se rendre au bureau du Fouktandj pour chercher les leurs.
Dans la une également, un train de la ligne FCE, Fenaratsu, côte est, a été victime d'un accident ce matin vers 8h15. Les trois personnes blessées lors de l'accident ont déjà été prises en charge à l'hôpital de Manakar. Les autres passagers sont retournés à Manakar. Le comité chargé de l'enquête est déjà sur place pour mener les investigations sur l'origine de ce drame. Reportage sur le récit de Zuhra Barzon. Le train a quitté Manakar à 7h du matin pour rejoindre Fenaratsu. C'est vers 8h15 au niveau du point kilométrique 130 à Mbahajazu, à 35 km de Manakar, dans la région de Fitvunan, que le train s'est renversé. Le bilan de l'accident fait état de trois personnes blessées qui ont déjà été prises en charge à l'hôpital de Manakar. Tous les autres passagers ont été acheminés vers Manakar car le train ne pouvait plus se déplacer. Les frais de transport des passagers ont été remboursés. Un comité de crise dirigé par le directeur général du ministère des Transports a été spécialement créé pour l'occasion pour mettre la lumière sur les causes de cet accident. Et une annonce sera faite par ce comité informant de la reprise de la circulation sur la ligne FCE Fenaratsu côte est. Les bagages des passagers ont été sécurisés et les mécaniciens de la ligne FCE sont déjà sur place depuis cet après-midi pour la remise sur les rails de ce train accidenté. Autre sujet, les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 11A reliant Vatman, Chiama, Anour et ceux de la route nationale temporaire 23 reliant Mahanour à Maroulam se poursuivent en ce moment. Les engins sont sur place et les travaux sont en cours. Les entrepreneurs profitent de la saison sèche actuelle qui précède la saison des pluies pour finir les travaux de réhabilitation. En effet, cela faisait plusieurs années que les usagers ainsi que les transporteurs s'étaient plaints de l'état délabré de la route. Il faut environ 3 jours pour parcourir la route entre Mahanour et Maroulamb dans la région d'Atsinan, surtout pendant la saison des pluies. À plusieurs reprises, les élus locaux avaient lancé des appels pour la réhabilitation de la route et finalement, ils ont été entendus car les travaux sont en cours. Après ces travaux, le trajet entre Mahanour et Maroulamb devrait se faire en une demi-journée. Une descente sera réalisée sur place par les élus de la province Thomasin pour constater de visu l'avancement de tous les projet en cours réalisé par le pouvoir actuel pour le bien de la population locale, selon le sénateur élu à Thomasina Manassou, Dona Tong. Et puis le Fouktan d'Amboulkanch ne compte plus de 200 blanchisseuses parmi ses habitants. Cependant, ce métier ne fait pas vivre son homme, selon les plaintes des blanchisseuses. En général, le salaire journalier moyen d'une blanchisseuse peine à atteindre les 5000 ariats. La plupart des blanchisseuses sont des mères de famille, ce qui fait que leur salaire n'arrive pas à couvrir les besoins quotidiens de leur famille, d'après leurs plaintes. Dans le cadre de ses activités sociales, l'association de développement AFF, Anji Fout Jawan Ifapanchsoun, s'est particulièrement intéressée aux blanchisseuses du Fouktan Tantsamami, dans le deuxième arrondissement de la commune urbaine d'Antananarivo. 125 blanchisseuses Tantsamami ont bénéficié aujourd'hui de matériel de lessive, tels que des cuvettes et des seaux de la part de l'association AFF, l'objectif étant de soutenir ces blanchisseuses dans la réalisation de leur travail par la distribution de matériel. L'AFF a également sensibilisé ces femmes à participer au vote lors de la prochaine élection présidentielle de ce 9 novembre 2023. Et dans le reste des actualités, le retard du versement par l'État des parts d'impôts
revenant aux communes impactent leur budget de fonctionnement selon le maire de la commune d'Alassour. Ces parts constituent jusqu'à 18% du budget de fonctionnement mensuel des communes. Or, avec l'inflation et la situation qui prévaut dans le pays actuellement, le taux de perception des impôts reste très faible. Les réhabilitations ou constructions d'infrastructures au sein des communes dépendent donc des appuis et des financements de leurs partenaires, comme c'est le cas des travaux de réhabilitation de la route interprovinciale 11 reliant Alassour à Yavlou. Reportage de Mamtine Ndjimboulou et Omega Ranefson. Malgré les diverses stratégies appliquées pour la mobilisation de la population à payer les impôts, le taux de perception n'est pas suffisant pour la commune d'Alassour. L'inflation galopante actuelle a un impact négatif sur les possibilités des ménages. La commune a donc décidé de faire preuve de souplesse à l'égard de ses citoyens par rapport à cette situation. Cependant, la commune rencontre des problèmes de trésorerie, notamment pour la réalisation des projets de développement, d'autant plus qu'à part le faible taux de perception des impôts, le retard du versement par l'État des parts d'impôts revenant à la commune, notamment les impôts synthétiques et les impôts de licence, a un sévère impact sur le budget de la commune. En effet, ces parts représentent jusqu'à 18% du budget mensuel de la commune d'Alassour, selon le maire de cette localité. Il fait donc appel aux autorités compétentes à se pencher sur cette situation, dans la mesure où les collectivités décentralisées rencontrent des problèmes financiers actuellement. Ce sont donc les travaux qui ont obtenu des financements extérieurs qui sont en cours pour la commune. Depuis le début de cette semaine, les travaux de réhabilitation de la route interprovinciale 11 reliant Yavlou à la Souge ont débuté. Le financement émane du FDL, Fonds de développement local, avec une participation de la commune. Aucun entretien de cette route interprovinciale 11, lequel incombe à la région de la Mangue, n'a eu lieu, alors que cet axe est très utilisé par la population et est menacé de coupure en période de pluie. Pour prévenir toute éventuelle coupure donc, la commune a priorisé sa réalisation. La route interprovinciale 11 dessert en effet trois communes, dont Alassour, Mbouidzane et Kiandouranfoutsi. C'est la deuxième réhabilitation de la route interprovinciale 11, entreprise sous l'initiative de la commune d'Alassour. Dans une autre page d'actualité, plus de 10 véhicules sont restés coincés dans un parking d'Ambounsou Itossi depuis lundi 18 septembre dernier. D'après les plaintes des propriétaires des voitures, l'accès au parking a été clôturé par le propriétaire du domaine, jouxtant celui-ci. D'après les informations, par conséquent, les véhicules qui étaient garés ne peuvent plus en sortir depuis lundi dernier. Le propriétaire du terrain voisinois a déclaré avoir accordé un préavis de 48 heures au responsable du parking avant l'érection du mur d'enceinte. Gracia Andjessitouyan Ivrasad. Nous ne pouvons plus vaquer à nos activités quotidiennes pour subvenir à nos besoins, faute de pouvoir avoir accès à nos voitures, ont déclaré les propriétaires des voitures coincées dans un parking à Mbounsou Itossi. Depuis lundi, l'accès au parking a été clôturé, plus de 10 voitures y sont bloquées. Les propriétaires des voitures n'auraient reçu aucune notification leur enjoignant de récupérer leur véhicule avant la construction du mur d'enceinte. Ces derniers ont négocié avec le propriétaire du domaine voisin qui avait érigé l'enceinte lundi, mais celui-ci leur aurait proposé le paiement de la somme de 100 000 arrières par personne pour accéder à leur demande. Une démarche qu'ils ont refusée. Les propriétaires des voitures se plaignent du fait que toutes les voitures coincées dans ce parking leur servent soit pour leurs déplacements au quotidien, comme c'est le cas pour ce médecin, soit pour leur travail proprement dit, tel ce chauffeur de taxi et ce prestataire en transport de personnel. Ce parking existe depuis 5 ans, mais depuis le 11 avril 2023, les voisins avaient prévu de construire ce mur d'enceinte. Mais le propriétaire du parking disposait d'un document légal interdisant la construction de la clôture, selon ses explications. Maintenant, ses voisins ont bloqué l'accès au parking et auparavant, ils avaient déjà retiré à la communauté l'usage des bonbons d'approvisionnement en eau pour les résidents. Cela avait pourtant facilité le quotidien de ces derniers en matière d'accès à l'eau,
Selon les précisions, le journaliste a tenté d'établir le contact avec les responsables de la construction du mur d'enceinte, mais en vain. Les propriétaires des voitures en appellent aux concernés, notamment ceux qui ont construit le mur, mais aussi aux responsables du Fuktang, à trouver une solution rapide pour que leur voiture puisse sortir de ce parking. L'art n'est pas intégré dans le programme de base de la plupart des écoles à Madagascar, qu'elles soient publiques ou privées, et malgré qu'il constitue la fondation de la culture malagasse, si bon nombre de Malagas font pourtant des arts leur gagne-pain quotidien de nos jours. Et c'est dans l'optique d'intégrer l'art dans le programme scolaire des écoles primaires publiques qu'une coopération a été établie entre la commune urbaine d'Antananarivo par le biais de la direction de l'artisanat et de la culture et la circonscription scolaire d'Antananarivo en collaboration avec une fondation organisatrice d'expositions d'œuvres d'art. Les détails signés Elisa Irmane Fechangimananzar. L'art occupe une grande place dans la société actuelle, que ce soit à Madagascar ou à l'étranger. Or, les écoles intégrant l'art dans leur programme d'études de base sont rares. Les enfants devraient être orientés dès leur plus jeune âge, vers les domaines artistiques, d'après les explications, grâce à la coopération entre la commune urbaine d'Antananarivo, via la direction de l'artisanat et de la culture, et la circonscription scolaire d'Antananarivo, en collaboration avec une fondation organisatrice, l'exposition d'œuvres d'art. Les jeunes de 2 à 18 ans des établissements publics peuvent bénéficier de visites gratuites, d'expositions d'œuvres artistiques et d'ateliers relatifs aux arts, selon les explications. C'est dans cette optique de découverte et d'apprentissage que ce programme a été mis en place, l'objectif étant de familiariser les élèves à l'art à travers leur programme scolaire afin de les orienter dans le choix de leur future carrière, selon les précisions. Et maintenant, place aux actualités internationales. En France, le roi Charles III entame ce mercredi 20 septembre une visite d'État de 3 jours dans l'Hexagone, empreinte de solennité pour célébrer la relance de l'amitié franco-britannique après les turbulences du Brexit. France 24. Oui, qui doit arriver sous peu. Et c'est Emmanuel Macron et Brigitte Macron qui doivent arriver à 14h30 heure locale, donc c'est à peu près dans 3 ou 4 minutes. Et à 14h35, c'est l'arrivée du roi Charles et la reine Camilla. Tout cela est réglé comme du papier à musique. La cérémonie commencera à 14h45 et se terminera à 15h35 précisément pour donner le temps au roi et à la reine et au couple présidentiel de descendre les Champs-Élysées, l'avenue des Champs-Élysées en voiture jusqu'à l'Élysée pour cette tête-à-tête dont vous avez parlé pour discuter des grands sujets d'actualité du moment, à savoir la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique et probablement les questions migratoires qui ont affecté beaucoup les relations entre la France et la Grande-Bretagne. Oui, je pense qu'il le mérite. C'est un tout nouveau roi. La France, d'ailleurs, aurait dû être son premier voyage officiel d'État. Malheureusement, à cause des manifestations en France au mois de mai pour ou contre la réforme des retraites, la visite a été reportée et donc la première visite d'État a été en Allemagne. Mais ça, on dit long sur les relations entre la Grande-Bretagne post-Brexit et le reste de l'Europe avec cette visite d'abord en Allemagne et puis en France, les deux moteurs de l'Union européenne. Donc c'est très symbolique, non pas seulement pour les Britanniques de voir leur roi qui vient en France, le pays qui est très visité par la population britannique, et aussi pour les Français qui voient le roi Charles venir ici. C'est comme une branche d'olive, si vous voulez, pour dire je sais que les relations entre la France et la Grande-Bretagne ont été difficiles ces dernières années, mais nous sommes toujours voisins, nous sommes toujours européens, nous sommes toujours tous les deux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et nous sommes tous les deux des puissances nucléaires. Donc notre relation doit durer, donc rien de mieux que d'envoyer le roi. D'ailleurs, c'est le gouvernement britannique qui a décidé d'envoyer le roi, c'est pas le roi lui-même qui décide, pour consolider et renforcer cette relation entre la France et la Grande-Bretagne.
En finale de cette édition, l'information continue sur TV Plus Madagascar en direct dans le journal en version malagasy à 19h30. Je vous retrouve à tout de suite.